Salut tout le monde, je m'appelle Florian et aujourd'hui je vous parle de l'ESP E2 M1 6 Fullback Sunburst. Let's go! Ceux qui me suivent depuis pas mal de temps savent que je joue depuis plusieurs années sur la marque de guitare japonaise ESP et que j'en possède déjà plusieurs à la maison, mais je voulais vraiment vous parler de celle-ci, tout d'abord parce que c'est un modèle qui est vraiment assez rare, voire même extrêmement rare à trouver ici en Europe et en France. D'ailleurs, vous ne pourrez pas la retrouver sur le catalogue américain du site officiel ESP, mais seulement sur le site japonais. C'est un modèle que j'ai réussi à décoter en Finlande et c'était vraiment la seule qui restait en stock sur leur site internet. Donc vraiment j'ai eu de la chance et je pense que ça fait partie des rares modèles qui sont ici disponibles en Europe. La deuxième raison pour laquelle je voulais vous parler de cette guitare, c'est parce qu'il s'agit pour moi véritablement d'un mix entre simplicité, sobriété, mais également modernité et puissance, et je vais vous expliquer pourquoi. Effectivement, lorsqu'on sort cette guitare du Flycase qui est fournie par ESP, on se rend compte que c'est une guitare qui est vraiment légère. Pour l'avoir pesée, elle fait un tout petit peu plus de 3 kg, ce qui fait que c'est vraiment une guitare qui est très agréable à jouer, notamment sur de grosses sessions debout, en répète ou en live par exemple. Elle propose donc naturellement un corps en aulne qui est surmonté d'une magnifique table en érable flammée en finition 6 Fullback Sunburst, qui est personnellement ma finition préférée. Sur le côté, on retrouve également un binding naturel du plus bel effet qui vient faire popper ce finish 6 Fullback Sunburst et ce qui rend la guitare plus belle. On sent vraiment que les luthiers japonais ont eu à cœur de pouvoir choisir les meilleures pièces de bois pour rendre la guitare très très belle visuellement et pour la rendre surtout unique. On retrouve également sur cette guitare un manche traversant en érable, qui est pour moi la meilleure configuration que vous pouvez retrouver sur des guitares de métal modernes. Donc je possède des guitares avec des manches vissées, des manches collées, mais également des manches traversants. Et c'est vraiment la meilleure config. Pourquoi ? Parce que ça vous permet un meilleur accès aux aigus, ça permet un meilleur sustain et une meilleure répartition des fréquences entre la tête, le manche et le corps de la guitare. Donc c'est vraiment parfait. En plus, malgré le fait que la guitare soit en finition high gloss, le manche quant à lui à l'arrière il est satiné, ce qui fait que ça le rend très doux, très agréable, ça permet des jeux rapides et lorsque par exemple vous faites de grosses sessions et que vous transpirez, ça ne colle pas, donc c'est vraiment le meilleur choix qu'a pu faire ESP sur ses guitares. D'ailleurs si je dis pas de bêtises, ça fait environ 2 ans que ESP propose, même sur des finitions high gloss, des manches satinées à l'arrière qui permettent vraiment un confort de jeu exceptionnel. En haut de la tête, vous retrouvez naturellement les Goto Locking Tuners, qui liés au sillet de tête permettent une stabilité de la corde parfaite avec un accordage vraiment en seulement quelques minutes. Sur ce manche traversant en érable d'un diapason de 25,5 pouces, vous retrouvez une magnifique touche en ébène avec 24 frettes extra jumbo en nickel. La touche propose un radius de 12 pouces, ce qui, couplé avec la forme Finnew du manche, rend vraiment cette guitare parfaitement taillée pour le shred et le métal de manière générale. Sur le côté de la touche, on retrouve également une feature très sympa qui sont les lumines LED dots et qui permettent de voir la nuit, notamment quand vous êtes sur des scènes ou alors dans des locaux de répète qui sont peu éclairés. On va maintenant parler de mes specs préférés sur cette guitare. C'est une M1 comme vous pouvez le voir, donc du coup elle n'a qu'un seul micro et en l'occurrence c'est un EMG et un EMG 57. Il faut savoir que par rapport à un 81 qu'on retrouve dans une combinaison plus classique, l'EMG 57 est selon moi certes moins tranchant mais beaucoup plus profond et beaucoup plus détaillé. Juste à côté de l'EMG, on retrouve un simple potard de volume. Voilà, simplicité, pourquoi s'embêter avec un deuxième potard de tonalité alors qu'on joue du métal ? Et enfin, je vous parlerai du chevalet, qui est un chevalet hipshot, qui pour moi est vraiment le meilleur choix possible quand on joue du métal, et notamment du métal moderne. C'est plat, c'est fin, c'est hyper agréable, on a l'impression d'avoir la main qui pose directement sur la table de la guitare, et ça permet d'avoir l'action la plus basse possible. D'ailleurs, en parlant de l'action, on se rend vraiment compte que les frettes ont été vraiment super bien travaillées, elles sont bien arrondies, elles ont été planimétrées, le leveling est parfait, ce qui fait qu'aucune frette ne bouge, et ce qui me permet d'avoir une action la plus basse possible. Je suis de l'ordre de en dessous de 2 mm, pour tout vous avouer, à partir de la 12e case, ce qui en rend vraiment une action très très basse, et sans frise. Pour vous montrer ce qu'elle a dans le ventre, je vous ai préparé quelques petites démos, donc en clean, en distorsion, mais également en crunch, puisqu'on n'a qu'une seule possibilité hein, au niveau de ce micro-là, et vous allez voir qu'elle a de la patate. Tous les enregistrements guitare, et notamment sur les démos, ont été enregistrés avec les plugins développés par Neural, donc les archétypes Noli et Gojira, mais également Petrucci.
Pour conclure cette vidéo, je pourrais vraiment vous dire que de toute ma collection, c'est vraiment ma guitare préférée. C'est celle qui représente le plus mon jeu, donc qui est un jeu plutôt moderne, orienté vers le shred et vers quelque chose de simple et d'efficace. Et vraiment, c'est la guitare qui représente le plus ce que je recherche. Et si vous recherchez ce genre de choses-là, n'hésitez pas. Il en reste, je pense, quelques-unes en stock en Europe. C'est vraiment une des meilleures guitares que vous pouvez trouver sur le marché de tout ce que j'ai pu tester, en tout cas chez ESP, mais également chez les autres marques. C'est à la fois la simplicité, la sobriété, mais également la classe incarnée. C'est une guitare qui est vraiment exceptionnelle et je vous la recommande à tous. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très très vite, cette fois-ci pour un test de plugin. Je vous dis à la prochaine. Ciao !